Troy le train. Bonjour Troy. Bonjour Taylor. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je vois, vous faites une promenade dans la neige. Super. Faites attention dans le tunnel, ça pourrait être glissant là-dedans, Troy et Taylor. Il fait sombre ici. Attention, Troy. Ce sont des stalactites. C'est très dangereux, ça. Comment allons-nous pouvoir passer? Tu as raison, il nous faut quelque chose de puissant pour les faire tomber. Et si nous allions demander à Teddy s'il peut trouver une solution? C'est une excellente idée, Taylor. Tu peux rester ici et avertir les autres trains qu'il y a des stalactites. Allons à l'entrepôt. On revient tout de suite, Taylor. Bonjour, Teddy. Oh, tu te mets déjà dans l'ambiance de Noël? Nous avons besoin de ton aide pour un problème dans le tunnel. Des stalactites se sont formées au-dessus des rails et ça pourrait être très dangereux si elles venaient à tomber. Tu crois que tu pourrais trouver un moyen de nous débarrasser des stalactites sans que quelqu'un se blesse? Ok, mettons-nous au travail. Je me demande quelle solution Teddy a trouvée pour régler notre épineux problème, Troy. Oh, Teddy, je crois qu'il y a une erreur. Ce conteneur a un renne dessiné dessus. Wow. J'ai hâte de voir comment ces bois vont nous aider à nous débarrasser des stalactites. Est-ce que Troy est prêt à partir, Teddy? Tu n'es pas n'importe quelle reine, Troy. Tu es Rudolf, le renne au nez rouge. Retournons au tunnel maintenant, Troy. Hé, Taylor! Bonjour, Byron. Est-ce que Taylor a pu t'empêcher de foncer tout droit dans ces stalactites? Bon travail, Taylor. Et maintenant, comment allons-nous nous débarrasser de tout ça, Troy? D'accord, bonne idée. Taylor et Byron, je crois qu'il est préférable que vous reculiez. Prêt, Troy? Ok, il est temps de laisser la magie opérer. C'était impressionnant, Rudolf. Mmh.
Bravo, Troy. Tu as pu nous débarrasser de toutes les stalactites en toute sécurité. Tu as raison, Troy. Tu es un super renne. Et maintenant, tu peux nous guider à travers le tunnel avec ton nez rouge. Bravo, Troy. Je veux dire, Rudolf. Joyeux Noël, tout le monde. À la prochaine. Troy le train. Bonjour. Tu as vraiment l'air impatient de fêter Noël, Troy. Oh, j'adore cette chanson. Waouh, l'arbre est vraiment beau cette année. Taylor veut de nouvelles roues pour Noël. Qu'aimerais-tu avoir, Troy ? Tous tes amis qui fêtent Noël avec toi ? Quel vœu adorable, Troy ! Mais comment vas-tu faire pour qu'il se réalise ? Teddy, Troy doit se dépêcher de se préparer pour Noël. Peux-tu lui donner un coup de main? Génial! On commence! Oh waouh, Troy! Teddy t'a transformé en elfe de Noël! Tu es superbe! Bien vu, Teddy. On va avoir besoin de ces guirlandes pour le sapin. À plus tard, Teddy. Allez, Troy, mettons l'entrepôt dans l'esprit de Noël. Oh, waouh! C'est magique! Ces guirlandes sont tellement jolies. La touche finale.
Mmh. Excellent travail, Troy. Il est encore plus beau que celui de Trainville. À présent, il ne nous reste plus que quelques cadeaux à trouver. Oh là là! Regarde tous ces cadeaux! Ils vont tous être tellement heureux! Oh oh, Troy! Il n'y a plus de papier cadeau? Mais que vas-tu faire maintenant? Ah, bien sûr! Teddy avait prévu du papier en plus! Et maintenant? Beau travail, Troy! Eh bien, on dirait que tu as tout fini, n'est-ce pas, Troy? Oh, tu voulais que tes amis passent Noël avec toi, n'est-ce pas? Bonjour, Teddy. Le chapeau de l'elfe va exaucer un vœu de Noël spécial pour Troy? Waouh! C'est incroyable! Oh! Je crois que ça fonctionne! Troy, ton vœu de Noël s'est exaucé! Joyeux Noël, tout le monde! À bientôt! Au revoir! Troy le train. Bonjour, Troy. C'est une si belle journée pour aller à Trenton. Bonjour Théo, vas-tu faire le sapin de Noël? Pourquoi tout le monde fait la tête? Ah, je vois, pas de neige pour Noël, c'est décevant. Super idée, Troy. Allons voir ce que Teddy peut faire. Bonjour Teddy. Troy a besoin d'aide pour faire de la neige dans Trenton. Tu as une idée? Oh, c'est génial! Mettons-nous au travail. Oh waouh! Troy, Teddy t'a transformé en machine à faire de la neige! Joli détail, Teddy! Ce chapeau le gardera bien au chaud. Mettons-nous au travail, Troy! À bientôt, Teddy! Waouh! C'est extraordinaire!
Trenton va adorer ça. Regardez tous. Troy a trouvé le moyen pour que vous ayez un Noël enneigé. Oups. Tu en as peut-être un peu trop fait, Troy. Te voilà, Théo. Il est l'heure de partir, Troy. Oh non, Troy. Comment vas-tu rentrer chez toi avec les rails entièrement recouverts de neige? Super idée! La pelle que Teddy t'a donnée va te permettre de dégager la neige. Parfait. Au revoir, Troy. À bientôt. Merci pour ton aide précieuse. Troy, le train. Bonjour, Troy. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. C'est parfait pour jouer au cerf-volant. Bonne idée. Je parie que Teddy aimerait s'amuser avec toi. Allons chercher. Oh oh, Troy. On dirait que le vent a endommagé le toit de l'entrepôt. Bonne idée. Je parie que Teddy peut t'aider à le réparer. Bonjour Teddy. Le vent a détruit une partie du toit de l'entrepôt. Troy veut le réparer, mais il a besoin de ton aide. Tu as une idée? Génial. Mettons-nous au travail. C'est parfait, Troy. Teddy t'a transformé en train couvreur. Ah, bien vu, Teddy. La sécurité avant tout. Maintenant, allons réparer le toit. Très bien, Troy. Mais comment vas-tu atteindre le toit? Bien sûr, tu vas utiliser tes ressorts.
Regarde comme tu peux sauter haut. Trop cool. Tu devrais utiliser le pistolet à clous que Teddy t'a donné pour les fixer avant qu'ils ne s'envolent. Vas-y, Troy. Tu peux y arriver. Beau travail. Ravi de voir que tu y prennes autant de plaisir. Super travail, Troy. Le toit est fixé. Et que vas-tu faire maintenant? Tu veux jouer au cerf-volant avec Teddy? Je suis sûr qu'il va aimer ça. Au revoir, Troy. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Au revoir, Teddy. À la prochaine.